Bonjour tout le monde, ici Picapa Fixé pour un épisode de Black Mick Wukong. Donc on s'en va voir ce qui se passe ici. Bouge de travail. Oh, c'est un délon. Et voilà. Sans se refaire. Loup de la terre. I just want a word with your king. What brought you here? Go. Leave. I don't need your help. Vraiment. Finds us, sir. From the Black Wind Mountain to here, we meet again. Those rats. Joking, they prepare me for their king's death. This place crawls with Yaogwai. Don't worry. If they bite into me, they'll bite more than they can chew. This place is a jumble of rats and cats, and the Yellow Wind Sage keeps silent. How odd. Who would swear fealty to such a king? Let's make haste and go. Never linger in a peril such as this. Just leave. These rats are no match for me. I can make my own way out. You are a skinny one. But these rats, flee! There are too many eyes around here. We will meet again. I won't die here with my task undone. This place is a jumble of rat and the Yellow Wind. Who would swear fealty to such a king? Let's make haste and go. Never linger in a peril such as this. Just me, and I can make my own way out. Okay. J'ai réussi à battre le boss sans mana. C'est quand même bien. Delightful.
en stress de tabarnak, comme toi, là. Sans tout refaire, c'est tout un monstre spécial. Roi archer, on a l'esprit d'un roi archer. Ok, fait qu'on a loup de terre. J'ai une espèce de charge par en avant. C'est la forme de loup de la terre. Foncer sans réfléchir sur l'ennemi pour le faire des. Ok, puis ça c'est. C'est la forme d'un roi archer, charger et décocher des flèches à plusieurs reprises, infligeant ainsi des dégâts répétés. Ok, ok. Loup de la terre. Tout en aigle, je comprends pas. J'ai quasiment envie d'utiliser le loup de la terre. Hein. Et j'ai 8000, donc je peux upgrader mon arme. Pour faire plus de dégâts. Puis on va essayer de faire les deux rocs que j'ai vus là. Oui, c'est la seule place qui me reste. Qu'est-ce que je pourrais avoir de rien faire?
Ok, boss time, let's go. Est-ce que j'aimerais m'occuper du gros en premier? Du homme du sable. Ok, fallait que je te sonne. Fou Tien Zi Xia, Fou de Jiu Che Gang Ji, Lun Chao Gui Ju Tien Li. Naga Shuo de Cai Suan. 哪个放人不管，你瞧那鼠辈都叫人请，他怎么就落得个子王府逃死不喊？耶，3h30，papa。 Chef Ougaï, le roi du royaume du sable. Et son fils. Je fais pas mal plus de dégâts, je trouve. C'est bon, hein? T'as le choix de le tuer ou pas, là? Oh, you son of a bitch. C'est un deuxième spot au moins.
quand même nice. L'heure du crash et l'humiliation. Ça pourrait être bon pour moi, c'est vrai. Juste voir où est-ce que je suis dans la map. Vallée du désespoir. Là, j'ai le choix d'aller dans la caverne, mais j'ai l'impression que la caverne, c'est là qu'il faut que j'aille. Mais je vais aller au bord du pont ici, voir qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rocaille de fausse. La pierre a pris vie grâce aux incantations à un nouveau serviteur, mais faites attention. Son âme est fière, évitez les provocations, croiser son chemin mène à la dévastation. C'était une fois un érudit prétentieux qui tirait beaucoup de fierté d'un presse-papier qu'il avait récupéré. Lorsque ses invités commentaient qu'il ne s'agissait que d'une pierre très ordinaire, le savant leur contait une histoire pour le moins curieuse. Pendant ses jeunes années intrépides, l'érudit entreprit un voyage périlleux. Un jour, alors qu'il était épuisé, il s'adossa à un rocher pour faire une sieste. Il sentit soudain que la pierre sur laquelle il se reposait prenait vie. Des squelettes sortirent de ses infractuosités et des membres surgirent de la pierre, lui donnant l'apparence d'une créature grotesque. Terrifié, l'érudit fuit à toutes jambes et finit par déboucher dans une vallée aride où il aperçut un moine émacié qui méditait sur un gros rocher. Frappé par ce spectacle extraordinaire, il envisagea de tourner les talons à nouveau. Cependant, et à sa grande surprise, il sentit derrière lui la créature de pierre qui l'avait implacablement poursuivi. Alors qu'il était sur le point d'être écrasé, le gros rocher sur lequel était assis le moine se mit à bouger, réveillant deux puissants bras qui rouèrent de coups et firent voler en éclats l'autre créature. L'érudit parvint de justesse à s'extirper du terrifiant affrontement et la presse-papier, selon lui, est un vestige de ce combat homérique. Les invités éclatèrent de rire en entendant cette histoire, se moquant de l'érudit qui prenait ses rêves les plus fous pour la réalité afin de les impressionner. L'érudit, bien qu'indigné, commença lui-même à douter de la vérité de son histoire et finit par se désintéresser du presse-papier. Finit par le remiser dans un coin et on ne le revit plus jamais. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas. Il y a un ennemi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu désires? Oh. Ok, je vais retourner ça.
goes there. Take it down. Only I can defend our land from the scourge. Chaque niveau de talent augmente constamment la santé max de mon clone. Ça reste qu'il doit quelque chose là-bas, mais... Je sais pas. Boute pas, bébé. Boute pas, mon amour. Tout est quoi dans le fond? Porc épic? Squelette lancier. Dans un monde où aucun chemin n'est vraiment tracé, où les directions se perdent dans l'effroi de la peur, au bout de la lance tient un valeureux guerrier, derrière la solide bouclier, la fierté comme moteur. Les prêtres de Calmevent étaient des fiers guerriers, leurs boucliers étaient ornés de tigres et ils dansaient armés de leurs lances à croisant de lune. Le simple prestance effrayant le gouet, lors des enterrements, ils menaient la procession frappant leurs boucliers et se promenaient, proclamant « J'ai des roues d'armée ». Les prêtres étaient tenus en très haute estime à Calmevent, mais même les gouilles inférieures de la montagne leur offraient des mets rares dans l'espoir de maintenir la paix, d'éviter d'être bannis. Un jour, un colon inquiet de l'augmentation de la population des gouets de la montagne demanda conseil auprès des prêtres. Méprisant ceux-ci, répondirent « Les gouets et nous habitons la même montagne, aussi sommes-nous destinés à nous croiser. Puisqu'ils nous offrent des tribus, nous formions de les épargner. » Quelques années plus tard, d'étranges vents se mirent à balayer la vallée, engendrant le chaos. Les gouets se déchaînaient et causaient très souvent des problèmes. Vêtus de leurs entours de guerriers, les prêtres empoignèrent leurs boucliers et s'aventurèrent à l'extérieur de la colonie pour affronter les gouets rebelles. Mais les gouets ne le craignaient pas. Les lances et les boucliers des prêtres qui faisaient jadis leur fierté ne parvinrent à repousser que quelques gouets inférieurs avant qu'ils ne se trouvent encerclés. Le chef des gouets, un rat vêtu d'une robe rouge, raya. Nous ne mentionnons la paix qu'en raison du Bodhisattva qui méditait dans ces montagnes. Mortel, vous ne pensiez quand même pas pouvoir nous vaincre? Voyant les prêtres incapables de repousser les gouets et ne faisant qu'attiser leur colère, les colons barricadèrent les portes de Calmevent, décrétant qu'ils ne le laisseront pas entrer tant que les gouets n'auraient pas été chassés. Les prêtres trouvaient la mort dans les montagnes, figés dans leur posture de combat, et servant depuis lors de funeste avertissement aux voyageurs de passage. Noice. Falaise de l'effroi. Là, c'est une autre zone, là. Que je vais aller là? Est-ce que c'est dans ma liste de choses à... Attends, regardez. Parce que j'ai un autre boss dans la vallée des désespoirs. Ok, non. Je vois pas là tout de suite. J'ai comme trois boss avant ça. Bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Fait qu'on va aller vers la caverne. Celui-là est plus open world, je trouve. Ces zones-là est plus de zones à explorer.
correct. Qu'est-ce qui se passe en haut là? Premier prince du sable ondoyant. Son, your brother's gone. Help me and atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father! Je pense qu'il est mort. Il semble se sauver de l'autre côté. Vert spiritueux éveillé, matériaux. Mais t'es quoi toi, bordel? Clochette de feu. Confie à une passionnée de jardinage, elle peut s'avouer. Ok, ok. Améliorer les boissons. Ok. Yoga inférieur. Squelette brasier. L'herbe bien médiocre tombe pour son corps, sa chair gâtée, pourrie, décomposée, longtemps disparue sous son nom oublié.
nulle patrie dans les bras de la mort. Sur les terres de la crête du vent jaune où les vents soufflent jour et nuit, il n'est pas rare de voir les monticules funéraires détruits par les puissantes rafales mettant leurs os à nu. Un jour, un marchand pressé par une affaire importante n'eut d'autre choix que de passer par là. Les villageois l'avaient pourtant averti d'un terrible danger et avaient refusé de lui servir de guide. Pour avoir marché seul pendant des heures, les marchands s'arrêtaient au bord du chemin pour se reposer et manger un morceau. C'est alors qu'il remarqua des ossements dans l'herbe sèche. Les vautours et les loups affamés en avaient pris une partie. As-tu été tué par des bandits pour reposer dans un lieu désolé? Ou comme moi, as-tu échoué à trouver un but à la vie et décidé d'y mettre fin? Accablé par le chagrin, le marchand poussa un soupir en contemplant le crâne et se demanda « Tu reposes à la merci des rigueurs de la nature et n'oses imaginer le chagrin que tu dois ressentir de ta famille. » Plein de compassion, il ouvrit son veluchon en pleurant et commença à creuser une tombe afin d'enterrer les restes. Soudain, le squelette se redressa, faisant sursauter le marchand qui tomba au sol et tenta de reculer dans un mouvement de panique. Utilisant ses mains osseuses pour se mettre d'aplomb, le squelette s'approcha du marchand et poussa le baluchon vers lui. Stupéfait, le marchand accepta prudemment le baluchon et reprit son voyage. Le squelette le suivit de loin et ils voyagèrent sans encombre pendant plusieurs heures. Peu à peu, le marchand baissa sa garde et finit par retirer sa chemise pour la draper sur le squelette. Et ce fut à partir de cet instant qu'à chaque bruit suspect, le squelette guida le marchand couvert derrière les rochers. Des coups d'œil furtifs permettent alors au marchand d'observer des gouées empruntant le sentier. Pendant plusieurs jours, ils continuèrent ainsi leur chemin jusqu'à ce que le marchand finisse par atteindre la route principale. Le squelette s'immobilisa alors, reconnaissant de sa compagnie. Le marchand proposa de repatrier les restes du squelette dans sa contrée natale, mais après un moment d'hésitation, le squelette se retourna et repartit en direction des vents tourbillonnants de la crête. Peut-être avait-il oublié d'où il venait. Léo, ça allait être un marchand, ça? Que je m'éloigne là. Temple du tigre tapis. Je pense que c'est pas par là que je vais aller. Chauve-souris véloce. Dans les ténèbres, la chauve-souris est tapie loin de l'agitation. Sous la coupole astrale au clair de lune, elle suce la sève vitale. Filant à travers le vent jaune, elle s'enfuit. Le percepteur arriva au village après la récolte. Le villageois décrassèrent un manoir depuis longtemps abandonné pour qu'il séjourne et organisèrent un somptueux festin. Une fois le percepteur reçu par tant de nourriture et de boissons, le chef de village entrevint avec lui. L'impôt nous accable. Serait-il possible de la réduire? L'impôt a été déterminé par votre seigneur, répondit le percepteur. Je ne suis là que pour collecter ce qui est dû et je n'ai aucun pouvoir de la changer.
La discussion tourna à un débat sans fin. Est-ce que je vais boire un petit peu, j'ai plus de goût. Il suggéra au percepteur. Un vieux veuf s'attardait et suggéra au percepteur. Le village n'offre que peu de distractions, mais vous trouverez cette colline à pavillon idéal pour observer la lune. C'est l'endroit parfait pour se détendre après une longue journée. Sur ces mots, il quitta lui aussi les lieux. Cette nuit-là, à la lueur d'une lanterne, le percepteur réfléchissait à ses registres et aux journées de litige qui s'annonçaient. Sur un peu de réconfort, il partit en direction du pavillon, mais tandis qu'il pénétrait dans la cour, une créature griffue aux ailes de chair et aux dents assez acérées surgit de l'essieu. Terrifié, il prit ses jambes à son cou, mais fut surpris par une autre de ces créatures qui rôdait dans les arbres. Les gouailles chauves-souris se disputèrent la proie, caquetant et piaillant. Profitant de leur querelle, le percepteur tira une lame de sa ceinture et en décapita un. L'autre créature bondit sur lui pour le mordre, mais il parvint en grande peine à l'esquiver d'une roulade. Cette nuit-là, le percepteur et la chauve-souris luttèrent lame contre cou jusqu'à l'aube. Au matin, les villageois arrivèrent au manoir pour préparer le petit déjeuner et trouvaient le percepteur assis sur le pas de la porte, une lame à ses côtés, fichée au travers de deux cadavres de chauve-souris décapités. Dans les jours qui suivirent, les villageois payèrent la totalité de l'impôt et organisèrent un autre festin avant de renvoyer le percepteur en ville avec tout le respect qui lui était dû. Je devrais aller là. Endurance max. Ok, ça je dis pas non. Bon, allons battre le gros. Pas beau. J'ai chauve-souris aussi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Vous pouvez vous aider à provoquer un vent de sable qui frappe les ennemis osant s'approcher. On va essayer de finir ça avec le boss. Puis je pense que c'est ce boss-là qui va me permettre d'avoir l'item pour l'autre boss dans le chapitre 1. On va aller voir ça. Je voulais pas descendre là. C'est vrai qu'il avait peur que ce soit un jeu que tu fais juste des boss un après l'autre, mais non. Pour l'instant, il y a beaucoup de zones qu'on explore. Okay, j'ai assez de mana. Mal, ben. There you go.
morceau d'or d'Atar, objet posant. On peut péter ça si je me reste. Faut juste que. Si vous avez pas le truc, je pense qu'il faut que le boss rentre dans ça. Ou sinon. C'est ça. Je le sais parce que j'étais voir. Wow, what the fuck? What? Ok. Pourquoi c'est si vaste? Their minds yearn to ascend. Les cailles de long. Yet fame still holds. Their glory fades through time. In tombs of somber gray. Okay, j'ai un objet imposant. Objet important, excusez. Un éclat traverse de temps en autre ces anciennes écailles de langue. Elles semblent appeler leur ancien propriétaire. Morceau d'or d'Atam. Retirer l'or du visage d'une statue d'Arta, quel scandale. Un tel acte ne peut pas être gratuit. Attends, je pense que je l'ai... Je pense avec la statue, je peux la mettre dans le morceau dans une des deux statues. C'est pas que j'ai une des deux statues, mais est-ce que il y a plein de place à aller, c'est fou. Mais c'est fou. Je ne sais point où vous allez. Désolé, je vais retourner au chapitre 1. C'est de faire le boss du chapitre 1 avec ce que j'ai ramassé là. Ce qui va compléter le chapitre 1. Mais je peux mettre le... Je crois que la tête... va ici. C'est fait. Ok, on a un point, deux points, un point. Chef Yogai. Premier prince du sable ondoyant. Parce que j'ai des items que j'ai aucune idée. Je vais essayer d'équiper les autres. Je sais pas si c'est encore, on va essayer.
candidat de disciple. Puis morceau d'or d'Arta. Ok. Bon, tout on va arrêter l'épisode ici. J'aurais prôné ma chienne. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Kevka à tous. Et à la prochaine!